Il est permis à tous de rêver, alors pourquoi ne pas rêver pour un Congo émergent à travers des initiatives qui peuvent créer des outils avec un peu plus de responsabilité et d'engagement pour pousser la RDC dans un développement durable. C'est l'essentiel du message lancé par le Renouveau démocratique congolais RDC qui a, lors de sa sortie officielle, organisé une conférence débat le dimanche à la Maison de France autour du thème « Pour un Congo démocratique émergent ». 4 sous-thèmes ont été décortiqués lors de cette conférence. Il s'agit des valeurs humaines et infrastructures sociales développées par l'abbé Mathieu Moussoua, le leadership par maître Jean Bouyou, le travail et la croissance économique par Guy Robert Lukama et enfin la place du Congo dans le monde qui a été expliquée par Aubry Hooks, ancien ambassadeur des États-Unis en RDC. L'ASBL RDC se veut donc une tribune d'échange pour l'élite congolaise. Pour un Congo émergent, simplement parce que c'est l'objectif. Et même que les conférenciers d'aujourd'hui nous ont dit, l'émergence est une chose, mais il faudrait que l'émergence puisse avoir cette dynamique de pouvoir nous amener même jusqu'au développement. Si chaque citoyen congolais est engagé à pouvoir s'activer pour le développement du pays, alors nous avons les moyens. Si les citoyens congolais ne sont pas engagés, alors nous n'avons pas les moyens. Cette vision partagée lors des échanges n'a pas laissé indifférent l'assistance. C'est un exposé de haute portée. Il y a eu des choses qui nous ont rappelées parce que j'estime qu'il y a des choses que nous connaissons pour le développement d'un pays, mais qui nous échappent parfois. Alors, participer dans de telles conférences est toujours une bonne chose pour qu'on puisse le rappeler. Je retiens que rien n'est perdu dans ce pays, il y a encore de l'espoir. L'essentiel, c'est de croire, c'est de rêver. Et pour rêver, il y a toute une démarche. Et c'est cette démarche-là, aujourd'hui, que nous devons, nous, Congolais, maîtriser notre avenir aujourd'hui, le projeter et mettre sur pied les différentes voies et moyens pour pouvoir atteindre ce rêve. L'ASBL, Renouveau démocratique congolais, entend donc à travers une série d'activités sensibiliser les Congolais à participer à l'œuvre de la reconstruction.